Yes, ma'am. Go ahead. Jerome? Yes. Okay, go ahead. We're broadcasting now. You could start the presentation. Okay. So let's go. Yep, go ahead. Okay. So thank you, Michael, for giving me the opportunity to make this presentation. Je me présente, je suis le docteur Jérôme Lussa, je suis dentiste dans la région toulousaine. Et donc j'ai été sollicité par Blue Sky Plan pour faire un petit webinar sur la prise en main de Blue Sky Plan, du cone beam à la conception d'un lead chirurgical. Donc je vous ai préparé un petit PowerPoint et nous ferons aussi une petite présentation sur le logiciel en direct. Donc, tout d'abord, je vous présenterai le logiciel, tout le contenu avec les différentes possibilités, les différentes grandes étapes que vous aurez à utiliser pour faire votre planification. Donc, je tiens à remercier le docteur Tournoux, Darguignon et Rouillard pour m'avoir aidé à préparer cette présentation. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le plan du webinar. Donc, tout d'abord, pourquoi faire de la chirurgie guidée? Pourquoi Blue Sky Plan? Ensuite, nous verrons quels investissements initiaux sont nécessaires. Par où commencer? Et la planification du coup du cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la présentation du logiciel en direct. Ensuite, nous aborderons l'impression du fichier STL. Et enfin, nous parlerons de certains petits cas cliniques. Donc, pourquoi faire de la chirurgie guidée? Donc, ça va être pour éviter ce genre de situation. J'espère que parmi ces cas cliniques, vous ne retrouverez pas un de vos patients. Sinon, je suis désolé, j'ai utilisé ces photos qui ont pas mal circulé sur les réseaux sociaux dans un but pédagogique. Ne le prenez pas mal. Voilà, donc vous comprenez bien que l'axe d'implant et l'émergence de l'implant en fonction de la future prothèse, dans certains cas, à main levée, peut être difficile à appréhender, et c'est vrai que la chirurgie guidée là-dessus va vraiment nous éviter d'avoir ce genre de situation. Donc la chirurgie guidée va aussi vous apporter de la sûreté, de la rapidité dans le geste, va vous permettre de gagner en confiance, en précision dans vos chirurgies, et vous obtiendrez aussi une reproductibilité de vos chirurgies implantaires. Ça va permettre également d'amener plus loin votre pratique implantaire, puisque vous ferez des cas qu'à main levée, vous aurez beaucoup de mal à réaliser. Voilà deux cas du docteur Corey Glenn, d'implant multiple. D'ailleurs, je le remercie au passage, car c'est vraiment quelqu'un qui publie énormément, qui aide énormément les gens à progresser dans leur pratique. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris des cas qu'il a présentés. Donc ici, je vous ai préparé une petite vidéo d'un patient que j'ai fait au début de l'année. Donc ce n'est pas du full guided, mais j'ai utilisé en gros le trois quarts des forêts en guidé, et le dernier forêt ainsi que le placement de l'implant ont été faits par contre en manuel. Donc en rouge, vous avez le riscan du patient avec les implants tels qu'ils sont dans sa bouche, et après, vous avez également le projet implantaire à côté qui est comparé ici. Donc vous voyez que ça match quand même vraiment pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas du full guided. Je pense qu'au niveau prothétique, il n'y aura aucun souci. Voilà. Donc vous aurez compris, la chirurgie guidée, c'est quand même vraiment sympa. Pourquoi utiliser Blue Sky Plan plutôt que notre logiciel? Alors tout d'abord, c'est un logiciel gratuit. Il n'y a ni licence, ni abonnement à payer, dans la mesure où vous restez sur de la planification simple. Si vous voulez récupérer un STL en vue de faire des impressions 3D ou des choses comme ça, là vous allez être obligé de payer chaque cas. En fait, ça coûte un peu moins de 20 euros. Mais sinon, si vous voulez déjà commencer à faire la planification, vous pouvez le faire de manière gratuite. C'est un logiciel qui est open source. Ce qui est assez rare dans le milieu du dentaire pour être souligné, parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup de systèmes qui sont fermés aujourd'hui et qui coûtent cher. Il faut prendre toute la chaîne de la même marque si vous voulez fonctionner avec. Donc le Blue Sky Plan, vous pourrez avoir n'importe quel cone beam, n'importe quelle caméra optique, et à la sortie, vous pourrez avoir n'importe quelle imprimante 3D. Voilà, il fonctionne avec les fichiers STL et DICOM, c'est tout simple, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, l'autre gros avantage de Blue Sky Plan, c'est qu'il permet de réaliser des guides chirurgicaux.
Et ça, c'est vrai qu'il y a d'autres logiciels de planification qui le permettent. Donc, c'est un logiciel qui va être compatible avec tous les systèmes implantaires. Bon, par contre, il va falloir que vous penchiez un petit peu sur le système de tube de guidage de douille si vous voulez pouvoir l'adapter à votre système, mais sachez que vous pouvez faire des guides pour absolument tous les systèmes implantaires. Donc, c'est quand même quelque chose de très confortable. C'est un logiciel adaptatif qui va vous permettre de faire des guides forêt pilote jusqu'au guided. Et enfin, c'est une solution économique comme nous l'avons vu, puisque si vous prenez l'imprimante, la première imprimante qu'on conseille avec le strict minimum, vous allez avoir le cas qui va vous revenir environ à 25 euros en internalisant l'imprimante capillaire. Le Blue Sky Plan ont énormément travaillé sur la communication et ont proposé des nouvelles solutions, notamment le protocole CBCT Only, qui en fait vous permet de faire toute la chaîne numérique au cabinet sans avoir de caméra optique, sans passer par prothésiste. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'aller voir sur le site parce que c'est très intéressant. Ça va vous permettre aussi de faire de la segmentation, donc du coup dans le cas d'extraction implantation immédiate ou encore quand vous voulez récupérer un biomodèle pour vous entraîner dans des cas difficiles, n'hésitez pas, les plans sont très bien faits, c'est relativement simple de segmenter. Après, il y a beaucoup d'autres possibilités. Vous pouvez faire, alors on a vu passer sur les forums américains des gens qui s'en servaient pour faire de la chira rétro, pour faire de l'orthodontie, pour faire, vous pouvez faire des fenêtres osseuses, enfin des guides de volets osseux dans le cadre de soulevé de sinus. Vous pouvez réaliser des guides de lambeaux quand vous avez des cas un peu compliqués. Enfin, vous pouvez faire énormément de choses. Il y en a même qui s'en sont servis pour réparer des chaussures de ski. Alors, quels investissements initiaux sont nécessaires? Donc, je vous présente plusieurs choses. Il y a le cône BIM, il y a le logiciel, il y a l'ordinateur, l'imprimante 3D, la caméra optique et un module STL converteur que vous pouvez avoir avec votre cône BIM qui est très pratique. Mais vraiment, si vous voulez débuter, les choses qui vous sont indispensables, ça sera Blue Sky Plan et l'imprimante 3D ainsi qu'un ordinateur. Mais si vous pouvez suivre ce webinaire, j'imagine que vous avez un ordinateur qui quand même marche un minimum. Voilà. Donc l'investissement minimal initial, ça va être une imprimante 3D, une douille, un forêt pilote et des exports STL. Donc en gros, vous pouvez, avec une imprimante, commencer à partir d'une somme inférieure à 1000 euros. Alors comment faire, par où commencer? L'étape 1, ça va être l'étape qui va nécessiter du coup soit le passage par un radiologue si vous n'avez pas de cône BIM, soit vous allez réaliser le cône BIM chez vous, c'est pour obtenir le fichier d'ICOM. Donc, lorsque vous réalisez le cône BIM, moi j'ai un petit conseil, c'est de faire une arcade complète, car lorsque vous allez vouloir réaliser le matching par la suite, ça sera beaucoup mieux de le faire sur des arcades complètes que sur des semi-arcades. L'autre conseil, c'est qu'il ne faut pas que le patient soit en occlusion serrée, il faut soit qu'il morde sur une butée, soit que vous lui fassiez ouvrir la bouche afin de pouvoir justement réaliser le matching correctement. La deuxième étape, ça va être d'obtenir du coup l'empreinte numérique en STL ou en DICOM. Donc, il y a différents procédés pour récupérer ce fichier de l'empreinte numérique. Je vais vous les énumérer. Le premier, du coup, et le top du top, c'est la caméra optique, mais c'est vrai que ça a un certain coût, comme on a déjà vu. Ensuite, vous pouvez faire l'empreinte, l'envoyer au prothésiste, il vous coule le plâtre qui scanne par la suite. Du coup, il vous renvoie le fichier STL, ça c'est notre solution. Vous pouvez également, voilà, ça c'est la nouvelle technique qu'ils ont quand même pas mal développée, soit passer le modèle en plâtre que vous avez coulé vous ou le prothésiste, ou l'empreinte en silicone dans le cône BIM afin de récupérer le DICOM donc du plâtre ou de l'empreinte. Et à ce moment-là, vous pourrez quand même faire le matching. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est le nouveau protocole CBCT Only dont je vous ai parlé. Et enfin, moi, ce que j'utilise personnellement, c'est le module STL converteur. Donc, je l'ai sur mon cône BIM. Ce qui fait qu'en fait, lorsque je passe mon empreinte en silicone dans un porte-empreinte plastique, bien sûr, parce que s'il y a du métal, ça ne va pas marcher, dans le cône BIM, de suite, on obtient le fichier STL. Vous pouvez le faire également avec la prothèse ou avec le modèle en plâtre. Donc maintenant, Michael va vous passer une petite vidéo que j'ai préparée sur la présentation du logiciel et la réalisation d'une planification implantaire simple. J'ai choisi de faire ça sur,
un cas mandibulaire. Vous allez voir la vidéo. Michael, please. Alors, vous allez voir la vidéo, entrer dans le vif du sujet et je vais vous faire une petite présentation de l'interface du logiciel. Essayez un petit peu de vous familiariser avec ça. Et ensuite, nous ferons une réalisation d'une planification implantaire simple. On va essayer de brosser un petit peu tous les outils, toutes les étapes importantes pour faire une planification implantaire avec le SkyBlock. On va quitter le PowerPoint et on va aller lancer Blue Sky Plan. On va le laisser se charger. Donc ce logiciel est téléchargeable à partir de vous tapez Blue Sky Plan sur Google, vous allez trouver très vite le lien pour télécharger le logiciel, il n'y a aucun souci. Donc voilà comment il se présente. Alors avant toute chose, quand j'y pense, vous allez mettre le mode avancé ici parce que sinon vous ne pourrez pas faire tout ce que vous souhaitez, vous êtes limité au niveau des étapes. Donc l'interface se présente de la manière suivante. On va décomposer en trois grandes zones. La zone tout d'abord supérieure, donc je vais vous la grandir. La zone supérieure où nous voyons donc les menus déroulants en haut. Donc n'hésitez pas à trafiquer un petit peu, à passer du temps, à voir les différentes options que vous avez et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses possibles. Vous pouvez entièrement personnaliser pour Skyplan. Donc, c'est à vous de choisir la façon dont vous aimez bosser et l'interface qui vous plaît. La deuxième chose dans cette zone, ça va être les différentes icônes que nous avons ici. Donc c'est très très pratique parce que ça va vous permettre de jongler rapidement entre les vues et les différentes petites fonctionnalités que vous avez ici. Donc ça aussi c'est personnalisable, je crois que c'est dans fichier, boîte à outils, vous sélectionnez les boîtes à outils que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez. Bon, bien sûr, pour moi, ces boîtes-là elles sont obligatoires. Ajout d'implants, ajout de nerfs, les zooms, voilà, il y a beaucoup de choses là. Les mesures aussi, c'est beaucoup utile. Donc, mettez-le vous à ce niveau-là. La troisième chose et dernière chose de cette partie de l'écran de Skyplan, c'est l'assistant de démarrage. Alors, si vous n'êtes pas très familiarisé avec les ordinateurs, que vous avez un peu de mal, et que pour l'instant vous voulez être vraiment assisté, vous utilisez ça. Parce que c'est un outil qui est très bien fait, mais bon, moi personnellement, je trouve que c'est trop. Enfin, quand vous commencez à maîtriser le logiciel, vous préférez agir différemment. Mais pour commencer, c'est très bien de passer par ça. Donc n'hésitez pas à le tester pour ceux qui ne veulent pas essayer la manière conventionnelle. Il y a toutes les étapes qui sont bien décrites, c'est quand même très bien fait. La deuxième partie de l'interface, donc ça va être toutes ces fenêtres sur lesquelles nous allons jongler, où il y aura les différentes coupes 3D, vues 3D. On va y revenir quand on aura l'image d'ICOM pour vraiment un peu plus détailler ça. Mais il faut savoir que vous avez différentes conformations, vous pouvez choisir, vous cliquez ici, vous mettez ce que vous voulez, vous essayerez les différentes possibilités. Moi personnellement j'utilise Implant Tangential 5, je trouve que c'est très pratique parce qu'on peut jongler entre les 5 images. Et pour la planif, c'est ce qui me permet d'être le plus efficace. Voilà. La dernière partie de l'interface, ça va être les panneaux latéraux. Alors, je vais tout supprimer de manière à vous les remettre pour vous dire un petit peu ce que moi j'utilise. Ces panneaux latéraux, ça va être. C'est grâce à ça que vous allez construire votre planification. Donc, il faut absolument que vous choisissiez les bonnes choses. Vous pouvez mettre luminance, contraste, mais bon, pour moi, quoi, surface, c'est obligatoire de le mettre. Des implants obligatoires, liste des dents, vous pouvez mettre alignement des modèles, ça c'est ce qui va vous permettre de gérer le matching, de le modifier s'il est mal fait, s'il y a un moindre souci. Ensuite vous pouvez mettre aussi fabrication du guide, ça s'appelle créer panneau. Alors des fois il y a des petites erreurs de traduction, bien que au cours de la dernière année ils se sont énormément améliorés parce qu'au début il y avait quand même beaucoup plus d'erreurs. Et bon, avant c'était quand même en anglais, donc voilà. C'est quand même pratique, je trouve que même là en français on s'en sort très bien. Donc vous avez surface, alignement, panneau, liste des implants, liste des nerfs. Vous pouvez même rajouter liste des nerfs, parce que là en l'occurrence on va travailler sur un cas mandibulaire, donc on va en avoir besoin. Voilà, donc ça c'était une présentation succincte de l'interface, mais je vous invite à y passer un petit peu de temps, à voilà, aller fouiller un petit peu dans chaque icône, chaque. Passez du temps à tester un peu le logiciel. Vous allez voir que vous allez vite vous familiariser, mais il faut y passer un peu de temps au début. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet et à
aller chercher le DICOM pour attaquer notre planif. Alors, je vous ai préparé ce DICOM. Donc les DICOM, il faut savoir qu'il existe différents fichiers DICOM. Vous pouvez des fois les avoir aussi fragmentés en plein de fichiers. Mais c'est pas un souci, parce que les plans les reconnaissent. Ça marche quand même. Vous mettez qualité maximale. Et voilà, on se retrouve sur une fenêtre. Vous allez devoir choisir en fait la fenêtre qui vous intéresse, la fenêtre d'intérêt pour la réalisation de la planification. Alors, vous pouvez laisser la totalité, mais franchement, ça va prendre beaucoup de mémoire vive et solliciter pas mal la carte vidéo. Donc moi, je vous conseille de réduire quand même le champ. Laisser des dents antagonistes, pourquoi pas, parce que ça peut être utile des fois quand on fait les planifs pour choisir les axes. Bon, à voir. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le réduire. Bon, je le laisse dans ce cas-là. On va valider du coup. Ok. Vous allez voir, il y a tout qui va apparaître du coup découpé. Après, vous avez la possibilité d'isoler de toute façon les surfaces si vous voulez travailler que sur la surface manipulaire. Vous allez dans surface sur la droite, le volet que vous avez fait rajouter. Vous mettez isoler et vous cliquez sur la surface que vous voulez isoler. Normalement, ça enlève le reste. Bon, là, pour le coup, vu qu'il y a beaucoup d'artefacts, ça ne vous a pas tout sorti. De toute façon, je veux le garder. Donc, je reste comme ça. Voilà, donc, vous avez un très bel aperçu, là, des différentes coupes qu'on a sur l'implant tangentiel 5. Là, voilà, donc, on a la première sur les coupes transversales. Donc, là, c'est très sombre. Premier conseil, vous allez cliquer sur cette icône-là, ajustement de la fenêtre de densité, et vous allez éclaircir jusqu'à ce que ça vous satisfasse. Donc là, c'est pareil, je vais éclaircir un petit peu la panoramique. Voilà. Donc je ressors, et à chaque fois, resélectionnez ce mode de déplacement pour le curseur, parce que sinon, vous allez faire des erreurs de manipulation. Voilà, donc deuxième étape, vous voyez, ça vous donne une courbe d'office panoramique, mais là, vous voyez par exemple qu'elle n'est pas très droite. Donc, vous allez jouer, vous pouvez la rectifier comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est aller dans Outils et carrément tracer la courbe moi-même, repartir sur ça. Donc, vous choisissez un endroit, voilà, à mi-hauteur dedans à peu près, où on est au niveau des racines. Et là, vous allez tout simplement cliquez à plusieurs endroits pour tracer votre courbe, et pour moi c'est peut-être le meilleur moyen d'avoir une courbe vraiment satisfaisante. Écartez un peu les deux barres, ça va vous ouvrir un petit peu sur les autres vues. Vous voyez, en fait, quand vous écartez, ça écarte là, sinon vous n'avez pas une vision de la totalité de la mandibule, donc n'hésitez pas à écarter. Et après, voilà, on est pas mal, je passe pour la courbe panoramique, on est pas mal. Vous les partez un peu, ça vous agrandit la panoramique. Voilà, alors attention, quand vous travaillez sur la radio panoramique, il y a souvent des petites déformations, donc votre planification, vous la faites éventuellement initialement dessus, mais passez, basculez très vite sur les autres coupes qui sont beaucoup plus précises. Donc par contre, moi, ces courbes, à chaque fois, elles me fatiguent, parce que c'est vrai que ça encombre un peu l'écran, donc je les désélectionne, comme ça, je peux travailler sur une surface d'air. Donc, la deuxième étape, bon, vous pouvez vraiment procéder dans différents ordres, mais moi j'aime bien très vite matcher le modèle STL, comme ça on travaille aussi avec la fosse gencive en place. Donc vous faites fichier, vous allez soit importer le DICOM comme je vous l'ai expliqué précédemment dans le PowerPoint, vous pouvez soit du coup numériser un modèle ou une empreinte, quand il dit impression c'est empreinte, même un appareil de numérisation, une prothèse vous pouvez numériser aussi dans le CONBIM. La technique avec les marqueurs en fait radio opaque, ça c'est dans le cadre ils ont mis un protocole en place dans le cadre de restauration métallique multiple avec beaucoup d'artefacts, ça marche très bien. Et je vous laisse aller voir sur le site, bon, c'est en anglais pour l'instant, mais c'est compréhensible, il y a beaucoup d'images. Voilà, donc moi dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un modèle directement STL, j'ai pas besoin de faire l'étape qui va me permettre d'inverser le modèle, mais vous pouvez le faire bien. Bon, voilà, aujourd'hui, on va pas le faire. Donc voilà mon modèle STL qui correspond du coup au DICOM, c'est le même patient. J'appuie sur OK, ça va me l'importer. Voilà. Du coup, ça me propose ça. Ça me propose deux fenêtres, et pour faire le matching, tout simplement, vous allez appuyer sur majuscule, sur Shift à gauche là, et vous allez sélectionner par exemple la
moi j'aime bien prendre le milieu des surfaces vestibulaires de chaque dent. Donc vous regardez, j'ai sélectionné 13 points, donc il faudra que ça soit la même chose au niveau d'ici. Donc la moitié, on est un peu au-dessus du nerf. Donc le matching est une étape vraiment primordiale. De toute façon, lorsque vous voulez faire de la chirurgie guidée et que vous faites vous-même les guides, toutes les étapes sont vraiment primordiales. Donc vraiment, il faut que vous passiez du temps, que vous soyez appliqué. Et au début, vous allez perdre du temps parce que c'est pas si simple au début. Chaque étape a ses petits bugs. Des fois, vous allez avoir l'empreinte qui va pas bien marcher. Des fois, il faut un peu au début galérer pour après vraiment être fluide, avoir un workflow efficace. Et après, c'est vraiment un réel plaisir. Donc, on va laisser mouliner un peu l'ordi parce que c'est vrai que c'est graphiquement, il y a pas mal de choses à reconstruire là. Donc, ils sont en train de matcher les 13 points. Et on va voir le rendu qu'on a à l'issue de ce match. Voilà. Donc, ça m'a l'air déjà plus que correct quand on regarde ici. Vous voyez, sur le matching, vous allez aussi regarder les tissus mous si vous les distinguez. Ça vous aidera à vérifier le matching. Donc, on va valider pour l'instant. OK. Donc, on revient sur les fameuses 5 coupes. Moi, je vérifie toujours sur deux, sur celle-ci. Donc, vous enlevez ces chromosomes. Et vous voyez, le matching, en fait, tout simplement, c'est le fichier qui est ici. Donc d'ailleurs, la surface, si vous voulez changer ça, vous pouvez mettre du violet, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Voilà, là j'ai changé la couleur, ce qui fait que le modèle en 3D aussi va changer. D'accord? Bon, après, ceci dit, moi je préfère travailler sur quelque chose qui se rapproche de la gencive, même si c'est quand même pas vraiment la couleur parfaite. Voilà, donc pour vérifier le matching, vous faites déjà sur cette coupe, avec la molette de la souris, vous faites bouger tout ça. Et ça me paraît vraiment très bien du premier coup. Donc ça, c'est top. Quand le matching fonctionne aussi bien, c'est très bien. Et vous voyez tout l'intérêt d'avoir l'arcade complète, comme je vous disais tout à l'heure, parce que si vous matchez que sur un côté, franchement, là, ça sera jamais... vous n'obtiendrez jamais la même précision. Donc là, on va réduire. On va aller voir sur une autre coupe. Moi, j'aime bien aussi fonctionner avec la coupe d'implant tangentiel. Vous voyez, regardez même les tissus mous, on voit que tout est vraiment pas mal du tout. Donc ce matching est tout à fait acceptable sans même le modifier. Mais au cas où vous ayez un premier jet pas terrible, moi pour le matching d'ailleurs, je vais vous donner un petit conseil. Vous allez pouvoir venir sur la petite tête du bonhomme, là ici. Pas celle de celui-là, celle-là, la tête de mort. Voilà. Vous prenez pré-réglage. Et voilà, vous regardez un petit peu comme ça en MIP. Moi, j'aime beaucoup travailler là-dessus. Ça réduit vraiment les artefacts au niveau des reconstitutions métalliques. Sinon, vous mettez carrément os. Et alors là, vous voyez, on a l'impression carrément qu'on est venu rajouter la gencive tout simplement sur les dents. Donc, c'est assez super, ce rendu. J'aime beaucoup. OK. Donc, écoutez, donc le matching est validé. Mais pour vous montrer qu'on a des bugs, pour le matching, on peut faire alignement du modèle. À ce moment-là, vous venez sur ajuster manuellement la position du modèle et vous le modifiez un peu. Sur toutes les vues, vous pouvez faire ça. Par contre, vous allez aussi des fois déplacer alors que vous ne voulez pas. Donc, qu'est-ce que vous faites pour revenir en arrière? Vous appuyez sur CTRL Z une fois, deux fois, parce que là j'ai déplacé deux fois. Et c'est bon. Vous désélectionnez ça. Donc, vous pouvez aussi jouer sur ça. Annuler et rétablir comme dans tout logiciel. Tous les logiciels. À l'heure actuelle sur les PC. OK, donc là on a fait le matching. Donc l'étape d'après, ça va être quoi? Ça va être la détection du nerf. Alors la détection du nerf, on va aller soit ici, et on va aller dans détecter le nerf. Et vous voyez, ils vous disent de cliquer à l'intérieur du trou mentonien. Donc soit vous choisissez de le faire sur les courbes transversales, soit vous pouvez le faire directement sur la vue 3D. Moi j'aime bien le faire sur la vue 3D. OK, donc là ça vous fait une proposition, mais par contre il faut systématiquement vérifier. Encore une fois, il faut être rigoureux à toutes les étapes. Donc vous allez vérifier,
vais vérifier que vous êtes d'accord avec ce qu'il vous propose. Et si par exemple vous trouvez que c'est pas très bien positionné, vous prenez le petit curseur là en surbrillance et vous le déplacez là où vous voulez. Vous voyez là, on peut le mettre ici. Alors voilà, quand vous progressez sur les coupes là, vous n'avez pas partout la possibilité de le modifier. Il y a certains endroits où vous avez des points que vous pouvez un petit peu rectifier, voilà, mais ce n'est pas partout. Et là, on va un petit peu grossir parce qu'il me semble qu'il y a un peu de la diosphère. Voilà. Vous pouvez le changer de couleur aussi si ça vous plaît. Voilà, on va le mettre en bleu. Et on réduit et on va le verrouiller parce qu'il m'a l'air très bien. Donc du coup, vous pouvez refermer ce panneau, ça décharge un petit peu la partie latérale du logiciel. Ok, donc nous avons le nerf, nous avons le matching. Nous voulons maintenant le projet prothétique. On va ajuster à la hauteur en fonction de la courbe panoramique et vous pouvez sélectionner plusieurs bibliothèques dedans. Moi, je vous conseille soit l'une, soit l'autre, soit TIFCAP, soit Renestos Library. C'est joli, les dents sont jolies aussi, celle-là, mais moi, je fonctionne souvent avec ça. La troisième bibliothèque, en fait, c'est quand vous voulez simuler des dents complètes. Ça m'est jamais arrivé. J'utilise le logiciel pour poser des implants, pas pour poser des dents. Bon, alors du coup, on va rajouter le petit projet prothétique. Ici, voilà. On va élargir un peu. On va augmenter un peu. Voilà, moi je m'aide souvent de la vue panoramique pour commencer, mais après on se rend compte que c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Donc n'hésitez pas à tourner un peu sur toutes les vues. Là, vous voyez, je suis en train de. Bon, après, voilà, on n'est pas en train de faire une courante sérieuse non plus. C'est pas. La précision du point de contact n'est pas si importante dans le cadre du projet prothétique, sauf si vous l'exportez, bien sûr. C'est juste pour avoir un bon aperçu du placement qu'on voudrait de la dent. Alors, si vous voulez alléger un petit peu le fichier, vous êtes dans surface et vous enlevez la surface du cône bib. Tac, voilà. Ça me paraît pas trop mal. On va décaler un peu. Voilà. Donc là, on se retrouve dans une situation qui nous plaît à peu près au niveau du projet prothétique. J'espère qu'à vous aussi. Voilà, donc on a le nerf, on a le matching et on a le projet prothétique, il ne manque plus qu'à poser l'implant. Alors l'implant, on va aller quand même prendre quelques mesures pour vérifier au niveau de la crête avant de pré-choisir un implant. On va aller donc là, soit sur cette coupe, soit sur celle-là par exemple. Voilà, vous allez mesurer ici, il y a quand même pas mal d'os. Ici, 11,7 mm. Donc, clairement, je ne vais pas mettre un 10 mm ici, je vais partir directement sur un 8 mm. Donc, pour ajouter l'implant, alors encore une fois, vous pouvez utiliser plusieurs choses, soit vous allez ici, vous ajoutez l'implant, soit vous allez ici, vous ajoutez l'implant, soit vous allez dans la liste d'implants et vous allez ici et vous rajoutez l'implant. Donc, on choisit mandibule parce qu'on a la mandibule. Vous pouvez, si vous ne trouvez pas parmi la bibliothèque, proposer votre marque, vous n'hésitez pas à aller dans implant personnalisé et à personnaliser tout simplement. On vous demande le diamètre apical et occlusal de l'implant et la longueur. Et à partir de là, vous validez et vous avez un implant. Bon, ça n'a pas une forme très jolie, mais au moins vous avez le gabarit d'implant. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des implants qui sont compatibles. Donc, je vais prendre le 5x8, c'est une molaire, donc je vais venir avoir mon diamètre. Et je viens ici le positionner par ici. Ok. À chaque fois, vous cliquez droit dessus et vous verrouillez l'implant, sinon vous allez faire des erreurs de manipulation. Alors, quand vous double-cliquez sur l'implant, normalement, il y a la liste des implants qui apparaît ici. Vous voyez le petit surcontour là qui est très pratique. C'est parce qu'il y a cette image qui est ce petit. Petit cadre qui est coché. N'hésitez pas à le mettre parce que c'est quand même très pratique quand vous déplacez, sinon vous savez pas trop quand est-ce qu'il y a l'implant. Quoi. Après, vous pouvez mettre l'implant totalement visible, vous voyez, ou invisible, vous pouvez jouer là-dessus. Il y a plein de petites. À chaque fois, il y a plein de petites options à connaître, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais n'hésitez pas vraiment à fouiller un peu partout.
D'accord, donc on va supprimer les mesures initiales et je vais refaire une petite mesure pour vérifier la distance par rapport au nerf. Donc là, on a 2,86, ça me paraît très bien. Et maintenant, je vais utiliser. Alors là, sur la panoramique, il n'a pas trop aimé, l'axe de mon implant n'est pas très bon. Alors, moi, j'aime beaucoup utiliser. Donc, n'oubliez pas de revenir à chaque fois là, d'accord? Parce que là, j'avais la mesure à sélectionner. Vous cliquez sur l'implant, bouton droit de la souris, on déverrouille, et là, on va repositionner gentiment l'implant parce qu'il n'est pas terrible. Voilà, et on va tourner autour avec la molette de la souris pour vérifier qu'il est bien enfoui partout. Et non, c'est pas forcément le cas. Voilà. Alors, vous voyez, des fois, ce trait disparaît. Alors, c'est un peu dommage, j'ai une petite astuce là-dessus. Vous allez dans liste des implants à nouveau et vous remplacez le pilier, vous faites un pilier personnalisé. Pilier personnalisé, vous mettez 20, vous mettez 2 de diamètre parce qu'au final, on va vérifier. Et vous voyez, du coup, il apparaît partout ce pilier, c'est très pratique parce que on peut vérifier du coup l'axe implantaire à travers le projet prothétique. Et aussi regarder le puits de vissage de la suprastructure en fait implantaire à travers la future prothèse. Donc voilà, le but c'est quand même d'être au milieu de la face occlusale, tant que t'as bien pas mal. Donc là, je reconnais déjà pas mal. Et on va encore peaufiner un petit peu tout ça. Voilà, hop, on le verrouille. Autre chose, vous allez mesurer ici la distance. Et après, une dernière astuce que je peux vous donner, que j'utilise de temps en temps, c'est en fait. Tracer la bisectrice pour vérifier l'axe de l'implant. Ça vous permet vraiment là de le positionner dans les règles de l'art. Voilà. Vous voyez, j'ai 4 degrés 60, non, 12 degrés 66, 12 degrés 34, 4 67, 5. Donc là, il est quand même pas mal positionné, du moins sur cette vue. Donc par contre, vous voyez, on a chargé l'image, on va supprimer les mesures dans l'outil supprimer les mesures. On re-réduit, on re-récupère ici systématiquement le mode ragball. Voilà. Et là, bon, mais écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt très bien placé. Ah, peut-être qu'il y a une petite spirale apparente là. Alors, par expérience, juste un petit conseil au passage, c'est pas le but d'aujourd'hui. Des fois, vous allez sentir un petit peu de force au niveau de la corticale linguale. Vous avez le retour comme ça à travers le guide, quand vous faites du flow guided, faites très attention à ça. Moi, dans la mesure du possible, j'essaye d'éviter de trop taper sur cette table osseuse. Voilà, je pense que vous devez valider comme moi la position de l'implant. Et du coup, vous voyez ici sur la vue en 3D, on n'est pas au niveau du nerf, on s'est laissé quand même une marge de sécurité confortable. Voilà, moi je pense qu'on est prêt pour tracer le guide. Donc le guide. Le guide. On va ajouter la douille. Alors moi j'utilise un système qui est déjà pré-calibré, mais je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que c'est un peu long à expliquer et je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mais sachez que sur le site, il y a tout qui est très bien expliqué pour les histoires de tubes de guidage. Et de guidage et de douille, dans le choix de tube de guidage, il faut y passer un peu de temps pour comprendre. Donc vous voyez l'intérieur du tube de guidage là, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence avec les dents contiguës, donc avec les faces proximales, parce que sinon vous ne pourrez pas replacer votre douille à l'intérieur. Le tube de guidage en fait, c'est pas la douille, attention, il ne faut pas confondre. Le tube de guidage, c'est le tube dans lequel vous allez glisser la douille. Donc vous allez chercher une friction optimale, c'est-à-dire ni trop de friction parce que vous n'arriverez pas à le mettre, ni pas assez, sinon pendant la chire, ça va tourner et ça va pas ouvrir.
Du coup, ce qui est conseillé, bon, c'est en fonction de la qualité de l'imprimante, mais c'est de surdimensionner de 0,1, 0,1 par rapport au diamètre externe de votre douille. D'accord? Donc il faut que vous mesuriez le diamètre externe de votre douille, vous ajoutiez 0,1. Après, si en fonction des imprimantes, des fois, ça peut être beaucoup plus. Il faut rajouter 0,2, 0,3. Vous avez plusieurs tests à faire pour arriver à quelque chose de. Une dernière remarque sur l'intérieur du tube de guidage, des fois vous avez la gencive qui affleure. Alors n'oubliez pas que ça c'est du tissu mou, n'oubliez pas que vous allez faire aussi un lambeau. Donc dans ce cas-là, du moment que vous pouvez rentrer la douille à l'intérieur, que le guide rentre bien positionné, il n'y aura aucun souci. Alors maintenant je vais vous faire le tracé du guide. Le tracé du guide, vous allez dans créer panneau. Et dans créer panneau, vous allez sectionner. Mandibule, verrouiller implant, qualité du guide élevée, mandibule, tracer la courbe. Dans tracer la courbe, vous appuyez sur Shift et vous allez entourer, voilà, vous allez délimiter la zone du guide environ, à peu près, parce que moi je prends pas trop de temps à faire ça parce qu'après, vous voyez, on doit refaire une deuxième étape, c'est modifier la courbe et là vous avez des petites sphères que vous déplacez, c'est quand même plus facile. Et vous allez les placer tels que vous les souhaitez, idéalement. Alors, voilà. L'autre petite chose à vérifier, c'est que les sphères soient en continu, c'est-à-dire qu'elles ne se croisent pas comme ça, parce que sinon, vous risquez d'avoir un petit bug au niveau du guide. Donc là, vous voyez, dans cette zone, je fais attention de ne pas trop m'étendre vestibulaire parce que sinon je risque de léser un petit peu le lambeau parce que moi je fais toujours des lambeaux pour l'instant j'aime pas trop faire du flapless donc quand je décolle mon lambeau je veux pas que le guide vienne oppresser ce lambeau sur le côté donc du coup j'essaye de limiter le guide un petit peu en vestibulaire voilà. Donc vous allez maintenant créer un guide chirurgical alors sachez que vous avez la possibilité de choisir l'épaisseur du guide de choisir beaucoup de choses de choisir le diamètre du tube. C'est-à-dire que vous pouvez le réduire ou pardon, l'épaisseur du tube, vous pouvez le réduire ou l'agrandir, c'est à vous de voir, selon vos besoins, mais tout est paramétrable, il faut y passer un peu de temps. Donc j'essaye. Voilà, nous avons le guide qui est sorti. Donc par contre, si vous oubliez de mettre la douille au moment de créer le guide, ce qui vous arrivera au moins une fois, et bien vous aurez un guide tout fermé, donc ça ne va pas vous servir à grand-chose. Vous n'aurez pas de. Ouverture, pas de tube de guidage. Donc n'oubliez pas de sélectionner systématiquement le tube de guidage avant de créer le guide. Voilà. Alors ça, c'est une erreur qu'on a tous fait. Donc maintenant, moi, j'aimerais bien rajouter 5,8. Ça, c'est ça. Plus le patient, X. Voilà. Je le rajoute. Du coup, l'imprimante 3D. Hop. Je vais appliquer le texte. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec un guide qui en plus est marqué, c'est super. On va sortir la surface de la mandibule. Vous voyez, maintenant j'ai la surface du guide aussi qui apparaît. Vous pouvez le changer, c'est vrai qu'il n'est pas très joli là. On va le mettre en rouge, un peu flashy. Voilà. On va sortir les implants. On sort le nerf aussi, on n'a pas besoin, j'ai envie de travailler que sur le guide. Et vous voyez, ça vous rend tout le temps des guides un peu au début. Avec les angles un peu vifs. Alors moi j'aime bien retoucher ça. Vous allez dans créer panneau et vous allez utiliser la brosse ici. Diminuer un petit peu la force ici. Des brosses sélectionnées et après à partir de là vous appuyez sur Shift encore une fois et vous allez doucement glisser pour lisser un petit peu tout ça. C'est quand même assez en bouche et que le patient, avec la langue, n'a pas forcément envie de sentir une partie comme ça saillante. Voilà. Donc là, on a fait un guide un peu plus lisse. Bon, après, sachez que nous, on utilise aussi des logiciels externes du type Blender, HMixer pour retoucher un petit peu les guides. Pour, voilà, vous avez plein de petites choses, mais j'ai pas du tout le temps de vous le présenter aujourd'hui.
Donc écoutez, moi ce guide il me paraît pas mal. Je vais vous montrer les surfaces. Regardez. On va même rendre transparente cette surface. Et le guide, comme ça vous allez voir le chevauchement. Alors sachez qu'il y a des options pour rendre le guide plus rétentif, mais aucun intérêt d'après moi. Vous aurez du mal à le rentrer sinon. Parce que de base, les options sélectionnées, le guide supprime les contre-dépôts. Voilà. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Je vais vous montrer comment exporter ce guide. Maintenant, vous allez dans Exporter données ici. Et vous sélectionnez uniquement ce qui vous intéresse. Faites attention de décocher toutes les cases qui ne vous intéressent pas. Vous sélectionnez uniquement sur Surgical Guide. Des qualités élevées. Vous exportez. Et maintenant, vous sélectionnez le dossier. Notez ce que vous voulez et vous sauvegardez. Voilà. Donc, nous allons pouvoir revenir sur notre PowerPoint. Donc j'espère que la présentation vous a plu et que vous sera utile. Donc je vais continuer maintenant en vous parlant un petit peu de, une fois que vous avez récupéré ce fichier STL du guide, ce que vous allez devoir en faire. Alors, du coup, c'est là où intervient le facteur imprimante 3D. J'ai choisi volontairement de vous présenter deux imprimantes ce soir. La Robox de chez Cell et la Rockstar actuelle de tous les salons dentaires, la Form 2 de chez Formlabs. Alors la Robox, il faut savoir que c'est une imprimante qui fonctionne en fait avec un fil qui est chauffé et qui va être déposé petit à petit, strate par strate, sur un plateau qui va être en mouvement et qui va permettre du coup, par addition, de venir former l'objet que vous souhaitez imprimer. Donc ça, c'est l'impression de base un peu. Elle est très utilisée aux États-Unis. Le petit problème, c'est que le guide n'est pas reconnu comme biocompatible en France à la sortie de l'imprimante. Mais bon, il existe des petites techniques pour éviter ce problème, que je n'aborderai pas aujourd'hui. En termes de stérilisation, vous ne pourrez bien sûr pas le passer au stérilisateur parce que vous risquez de le déformer. La température de fusion du matériau qu'on utilise, là, je crois que c'est 124 degrés ou 125 degrés. Donc, c'est en dessous de la température du stérilisateur, donc à éviter. Mais par contre, vous pourrez faire une décontamination à froid en le laissant tremper dans de la chlorhexidine ou de la bétadine pendant plusieurs heures. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il existe des étapes supplémentaires possibles pour éviter le problème de la biocompatibilité. Donc, on se réserve ces guides en général pour les édentements de petite à moyenne étendue. C'est parfait pour commencer, les guides pilotes et tout ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai mis le pied à l'étrier de l'impression 3D grâce à cette imprimante parce qu'elle était quand même beaucoup plus abordable que les autres. Voilà, donc je pense que c'est quand même une première solution très intéressante à envisager. Donc financièrement très accessible, moins de 1000 euros. Alors ça dépend, il y a des périodes où elle remonte un peu. Bon, mais, je vous laisse regarder sur Internet si vous la trouvez à moins de 1000 euros. Donc la deuxième imprimante que je voulais vous présenter, donc, c'est la Form 2. Donc ça, vous avez dû en entendre parler. Elle permet de réaliser des guides vraiment de très haute qualité. Ça, ce sont des guides qui ne sont pas encore passés à la stérilisation. Quand ils ont une couleur orange comme ça, ils sortent juste du post-traitement. Alors, par contre, c'est une imprimante qui fonctionne avec un autre système. Ce n'est pas un fil qui va être chauffé. Là, c'est en fait une cuve de résine qui va être balayée par un laser. Et un peu comme le principe de la polymérisation des composites qu'on a en cabinet, ça va polymériser en fait, strate par strate, les couches de résine liquide. Voilà. Par contre, il faut savoir que la Form 2 elle nécessite quand même un apprentissage un peu plus long, une logistique assez importante et un post-traitement, vu qu'on va devoir passer successivement dans des bains d'alcool isopropylique, puis la durcir dans un four à UV dévolu à cet effet. D'ailleurs, Formlabs ont prévu de sortir en septembre des produits très sympas, donc affaire à suivre. Donc le guide, le gros avantage, c'est qu'il va être biocompatible et stérilisable. Alors attention de ne pas passer le guide à la stérilisation avant de bien avoir fait le post-traitement au niveau des UV, parce que sinon vous allez avoir le guide qui va fondre. Voilà.
Et alors, cette imprimante, par contre, va vous ouvrir d'autres possibilités au niveau du numérique dentaire. Vous allez pouvoir faire des modèles d'études, des wax-up, des aligneurs orthodontiques, enfin, beaucoup de choses. D'ailleurs, je crois qu'il y a des prothèses provisoires, même des prothèses, des résines qui sont en train d'être créées là, qui sortent incessamment sous peu, qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc, c'est adapté pour tous les guides. Et par contre, le budget total, ça va être environ 5 000 euros quand vous comptez aussi le post-traitement. Donc, voilà, c'est de suite un autre budget, mais pour une autre qualité. Donc, maintenant, j'ai décidé de terminer ce webinaire par quelques cas cliniques. Donc, ce sont des cas cliniques simples. Encore une fois, je n'ai pas cherché à vous montrer des cas très compliqués. Ce n'était pas le but de ce webinaire. Donc, là, c'est remplacement d'une 14 à l'aide d'un guide Robox. Donc, c'est un guide pilote. Donc, c'est un cas du docteur Tournoux. Voilà. Donc, il a posé un implant d'une certaine marque. Et vous pouvez voir donc sur l'image en bas à droite que la superposition du projet et de la pose est quand même vraiment très correcte. Ça reste quand même un guide pilote. Okay. Ensuite, je vous propose du coup un cas que j'ai fait en full guided. Donc là, je m'étais amusé à imprimer aussi le modèle avec la Robox et j'avais du coup posé le guide dessus. Donc c'est un gars fait en full guided avec le kit de chirurgie guidée de Blue Sky Bio. Voilà. Et voilà le résultat. Donc ça, c'est la planif et ça, c'est la pose. Et du coup, vous avez à peu près la durée de l'intervention, c'était environ 15 minutes. Donc voilà, c'est quand même un confort. Alors par contre, attention, ça demande beaucoup, beaucoup de préparation en amont, hein. Ça, c'est sûr que ça prend plus de temps qu'une simple planif lorsque vous faites un guide. Ceci dit, une fois que vous avez vraiment l'habitude de le faire et que vous commencez à maîtriser chaque étape, ça va vraiment très vite. Là, il y a un autre cas, du coup, c'est avec des guides faits par forme 2, remplacement d'une 15. Donc là, c'est encore autre chose, ce n'est ni du full guided ni du pilote. C'est encore un cas du docteur Tournoux qui change en fait les tubes entre chaque forêt sur le même guide. Ça marche très bien aussi. Voilà, donc je crois qu'il a passé 3 forêts sur 4 ou quelque chose comme ça. Et on voit que le matching est quand même aussi tout à fait correct. Enfin, ça c'est un petit cas que j'ai fait lundi matin. C'était le remplacement d'une 46 terminale. Donc j'ai fait le guide avec la forme 2. Ça c'est le guide que vous avez avant le passage en sté. Donc je l'ai fait en full guided et voilà le résultat. Donc c'était un cas qui peut paraître simple comme ça, mais qui quand même était vraiment difficile parce que je crois que là, même dans la planif, j'avais 1,5 entre le nerf et l'implant. Donc on voit bien au niveau de la radio que ça a l'air vraiment de bien bien matcher. Et je vous rassure, la patiente ne m'a pas rappelé pour me dire qu'elle avait plus de sensibilité labio-mentonnière. Donc voilà. Pour finir ce webinaire, je vous ai préparé du coup quelques radios comme ça qui comparent la planif avec la pose. Voilà. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités. Vous pouvez encore une fois utiliser vos implants actuels, vous n'avez pas besoin de changer. Par contre, il faudra peut-être vous équiper un petit peu en termes de forêt et de douille, ou éventuellement demander aussi à votre marque ce qu'il propose en termes de kit de chirurgie guidée. Voilà, après, ça serait pas trop compliqué de l'adapter. Moi, je serai disponible pour vous aider si vous en avez besoin. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce petit webinaire vous aura aidé à mettre le pied à l'étrier de Blue Sky Plan. Et voilà. Donc, juste 2 mots sur. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec ce logiciel depuis un certain temps maintenant. Et en fait, nous sommes 4 à s'y être mis ensemble. On a vachement partagé, on a progressé, on a galéré ensemble. Donc, on est passé à la Robox, ensuite, on est passé à la Forme 2. On a pas mal progressé ensemble. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup d'astuces, beaucoup de choses. Et du coup, ça nous ferait plaisir de partager notre. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. La première session serait donc le 19-20 octobre à Toulouse. Donc Blue Sky Plan nous a en plus gentiment proposé d'offrir les 6 premiers cas à tous les étudiants qui viennent faire notre petite formation. Donc n'hésitez pas. Et vraiment, la chirurgie guidée, c'est un vrai bonheur. On se régale au quotidien. Par contre, encore une fois, il faut absolument pas se lancer si on ne le sent pas. Il faut vraiment se faire aider
et il faut maîtriser chaque étape, car si vous foirez une étape, c'est toute la chirurgie qui va être compromise. Donc faites très attention. Voilà, donc maintenant je vais répondre un petit peu à quelques questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez marquer des questions sur le forum en direct, là, le chat, et je vous réponds. Voilà. Donc j'attends pour l'instant, il n'y a pas de questions. En temps normal, en fait, Michael fait le lien, mais vu qu'il ne parle pas français, du coup, il m'a dit de fonctionner comme ça. Donc si vous avez des questions, allez-y. Bon, a priori, vous avez tout compris. Alors, le lien pour cette formation, il y a le site qui est affiché en bas, ça s'appelle cfb3d.com. Au passage, je t'envoie le bonjour, Martin. Bon, l'idéal serait de venir quand même à la formation, parce que c'est vrai qu'on a été pas mal sollicité pour aider les gens à droite à gauche. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que la formation sera faite quand même pour ça. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site, à nous écrire vos questions par mail, et on essaiera de vous aider comme on peut. Pas d'autres questions? Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce webinaire, et donc je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas du coup à nous contacter. Ah, une dernière question. Ben, je vous en prie, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, c'est pas un exercice facile entre le cabinet et tout ça. Il a fallu qu'on se prépare ce webinaire. Donc je tiens à remercier quand même encore une fois Alex, Christopher et Henri qui m'ont beaucoup aidé. Je remercie également, alors il y a beaucoup de monde à remercier, Pierre Galendo avec qui j'ai beaucoup échangé, Corey Glenn, Auguste. Ah, il y a une question, pardon. N'arrive pas à matcher parfaitement. À quoi c'est dû? Là, Martin, ta question, elle est quand même très très vague, donc je pense que ça mériterait qu'on en discute plus longuement. Comment changer les douilles entre les deux diamètres? Entre les deux forêts, bien, à ce moment-là, il faut prévoir des douilles avec le même diamètre externe. Du coup, vous conservez le guide en place et vous changez. Changer tout simplement la douille à l'intérieur. Seul le diamètre interne de la douille changera et le foret, mais pas le diamètre externe. Une autre question? Please remind everybody to complete the attendance form. Ok. So Michael, I think it's okay for everybody. We can finish. Okay. Okay, thank you, Michael. Thank you so much for the presentation. I obviously wasn't able to understand it, but it looked very impressive. Thank you. Thank you. Thank you, everybody, for attending. Okay.